ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة قريش. قريش c'est le nom d'une tribu. Pourquoi elle s'appelle Quraysh? Le titre, il est dans le premier verset de cette sourate. Il a fait Quraysh. Et Quraysh, c'est une tribu arabe qui était les habitants de la Mecque. Et Quraysh, ils sont divisés en deux. Ceux qui sont de la ville et ceux qui sont de la campagne autour de Mecca. Quraysh, c'est la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, c'est la langue dans laquelle le Coran il a été révélé pendant des années. Avant qu'il fût révélé en arabe, dans les autres langages des arabes, mais qui restaient de l'arabe. Kelb, Kinana, etc. La neuvième année de l'Hégire. C'est une facilité qu'Allah Ta'ala pour faciliter les tribus arabes d'entrer en islam et de ne pas avoir du mal à réciter le Coran, selon certains accents, certaines manières de réciter des lettres, etc. Puis, alhamdulillah, après il a été réuni par Abu Bakr et Omar, puis Uthman, à la lughati Quraysh. Il est revenu à l'asl. Et c'est ça le mushaf al-Uthmani qu'on a. La majorité du Coran, c'est à la lughati Quraysh, sur la langue de Quraysh. Donc Quraysh est une tribu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les Arabes. Puis dans les Arabes, il a choisi Quraysh. Et dans les Quraysh, il a choisi Banu Hashim, la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour être le messager d'Allah. Naam. C'est une surah pré-égyrienne. Yani Makkiya, c'est la 29e. Et Allah tabarak wa ta'ala dit bismillahir rahmanir rahim li'ila fi Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف لي ici c'est سببية, c'est-à-dire pour, à cause de. Mais à cause de quoi? La sourate elle commence directement à cause de, ou li, à cause ou pour Quraysh, qu'Allah il a préservé la Kaaba. La sourate d'avant, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. Donc, les ulama, la majorité des ulama, ils disent que cette surah, elle a un lien avec la surah d'avant, avec le fil. C'est-à-dire, c'est pour les voyages de Quraysh. Parce qu'Allah, il a préféré Quraysh. Allah, il a préservé la Kaaba et il a préservé de l'attaque de Abraha. Dans la surah al-fil. Wadih, inshallah. Donc ici, elle lit, quand on dit à cause d'eux, c'est pour cela qu'Allah Ta'ala, il a préservé Quraysh. Pour leur voyage, parce qu'Allah Ta'ala les a préférés sur les autres, qu'il a préservé aussi la Kaaba et qu'il les a préservés de l'attaque de Abraha et qu'il les a préservés de l'attaque de l'éléphant. Naam. L'ila fi Quraysh, l'ila huwa al-jam'a, c'est quand tu réunis. C'est-à-dire quand ils réunissaient leurs affaires pour aller faire du commerce. Wadih. Donc à cause du commerce, du pacte et des moments où ils réunissaient leurs affaires Quraysh, Allah Ta'ala les a préservés, alhamdulillah, de l'attaque de l'éléphant et des abyssins. Donc l'ilaf fi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, donc leur voyage qu'ils font pour le commerce. Les Quraysh, ils avaient deux voyages principaux pour faire du commerce. Un en hiver qui était vers le Yémen et un en été qui était vers la Syrie, la grande Syrie. La Syrie, c'est pas la Syrie avec les frontières actuelles, barakallahu fikum, mais ce qu'on appelle en français la grande Syrie, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban. Tout cela, c'est la grande Syrie. En hiver, ils allaient au Yémen, car en hiver, en Grande Syrie, il faisait très froid, mais au Yémen, il faisait doux. Et en été, ils allaient en Syrie, car en été, en Arabie, il faisait très chaud, mais en Syrie, il ne faisait pas trop chaud. Il faisait assez doux. Donc, ils choisissaient, alhamdulillah, les endroits où faire du commerce à ces moments-là, c'était plus approprié et c'était plus facile. Imaginez-vous des Arabes en train d'aller vers la Syrie avec le grand froid. Ils sortent du désert, ils se retrouvent dans le froid de la Syrie en hiver. Donc ils choisissaient leur moment pour aller faire, alhamdulillah, leur commerce au Sham, en Syrie. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala leur énonce cela, c'est bien fait, c'est justement pour qu'ils soient reconnaissants. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle tous ces bienfaits-là? Il a fi Quraysh, il a fihim rihla tashita et wassayf. Donc tout de suite après, Allah ta'ala dit fal ya'budu rabb hadha al-bayt, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Certains ulama ont dit ici, s'ils ne veulent pas adorer Allah pour tous les bienfaits qu'Allah leur a donnés, au moins qu'ils l'adorent pour cela. Car il les a nourris de la faim et il les a mis en sécurité de la peur. Fa ici,
Ça peut être aussi bimana sababiya, c'est-à-dire pour la cause, parce que Allah Ta'ala les a préservés, et parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a donné le bienfait de faire le commerce, et parce qu'Allah Ta'ala les a préservés de l'attaque de Abraha pour qu'ils soient en sécurité, alors qu'ils adorent. Alors pour tout cela, pour cette cause-là, qu'ils adorent Rabba Hadha al-Bayt, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison sacrée, Naam, de la Kaaba. Et l'ibada, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ L'ibada, elle peut venir dans deux sens. Ou bien dans l'acte, dans la manière dont la personne se comporte pour la faire, ou bien dans l'acte en lui-même. Si on parle de la manière dont la personne se comporte pour la faire, c'est le fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala par amour et valeur et grandeur pour lui subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, par amour, mahabbatan wa ta'zima. S'humilier en se pliant à sa volonté subhanahu wa ta'ala, en se pliant à ses injonctions et en délaissant ce qu'Allah ta'ala nous a interdit. Par amour et en espérant sa récompense et en lui donnant, c'est-à-dire sa vraie valeur, et par crainte de sa ruse, de son châtiment subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'ibada. Et l'ibada, quand on en parle dans l'acte même, ce sera tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom qui réunit tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que Allah aime et agrée comme parole, comme acte, comme état apparent et caché. Comme il a dit Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc on peut définir l'ibada selon la manière dont le serviteur doit réagir. Ou on peut faire définir l'ibada, l'adoration, selon l'acte en lui-même. Si on le définit selon la manière dont la personne doit agir, c'est s'humilier, se plier à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par amour, en lui donnant de la valeur. Et quand on parle de l'acte en lui-même, c'est un nom, l'ibada, qui réunit tout ce que Allah aime subhanahu wa ta'ala et tout ce qu'il agrée comme parole, comme acte, comme état apparent et état caché subhanahu wa ta'ala. Naam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Il a affilié la maison à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Le seigneur de cette maison, Rabb al-Bayt. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans un autre verset, wa tahhir baytiya, et purifie ma maison pour ceux qui circumbulent, et ceux qui sont debout, et ceux qui s'inclinent et se prosternent. Donc ici, il a dit baytiya, c'est pareil, il a affilié la maison à son nom, subhanahu wa ta'ala, à lui-même. Ça, c'est pour donner de la valeur et de l'honneur à cette maison sacrée. Quand Allah subhanahu wa ta'ala affilie une chose à lui-même, comme ici, c'est pour lui donner de la valeur et pour montrer sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la place qu'elle doit avoir dans le cœur des croyants et dans le cœur des gens. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur de toutes choses. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, on m'a ordonné d'adorer le Seigneur de cette ville qu'il a rendue sacrée et toute chose lui appartient. Donc quand on dit le Seigneur de cette maison, est-ce que Allah ta'ala, c'est pas le Seigneur de toutes choses? Il n'est pas seulement seigneur de la Kaaba, c'est lui le seigneur de toutes choses. Et ça, c'est justement pour répondre pour ceux qui pourraient croire qu'il est juste seigneur de la Kaaba. Quand en dehors de la Kaaba, ça ne s'appartient pas à Allah. Non, walahu kullu shay. Et à lui appartient toute chose, subhanahu wa ta'ala. C'est le maître de toutes choses. Mais ici, comme on a dit, c'est ta'ziman wa tashrifan lil bayti haram. C'est pour donner de la valeur et la sacralisation et pour montrer la place que cette maison sacrée a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la place qu'elle doit avoir dans le cœur des croyants. Naam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Celui qui les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte, subhanahu wa ta'ala. Donc il leur a cité deux bienfaits essentiels dans la vie d'un être humain. Quand quelqu'un il a faim, quand quelqu'un il a peur, est-ce qu'il peut adorer son Seigneur? Est-ce qu'il peut apprendre sa religion? Est-ce qu'il peut transmettre l'islam? Non. La sécurité et le fait d'être préservé de la famine, c'est des bienfaits essentiels. Et c'est des bienfaits pour lesquels on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens aujourd'hui, ceux qui ont les pensées révolutionnaires ou anarchiques plutôt on va dire, parce qu'ils aiment l'anarchie et le désordre, et ils répandent la corruption sur terre. Est-ce qu'ils ont réfléchi, ne serait-ce qu'un moment, que la sécurité dans laquelle ils étaient, le fait de pouvoir manger à leur faim, sans être dans la famine, est-ce qu'ils ont pensé un moment
de préserver cela, de préserver le sang sacré des musulmans, ou bien ils se sont laissés aller par leur passion, par leur sentiment de haine, car ils ont été chargés de haine par ceux qui appellent à leur groupe égaré et à diviser les musulmans qui sont présents que dans les moments des fitan, des tentations. Subhanallah, tu verras, salafiyoun, ils sont actifs quand il y a la paix, quand tout se passe bien. Alors que les gens des groupes égarés, il leur faut la fitna pour être vivants. Sans trouble, ils ne sont pas vivants. Ils vivent que dans le trouble. Car toute leur religion, elle est basée sur la fitna, sur le trouble. Ou bien la guerre, faut faire couler le sang à tout moment, ou bien atteindre le pouvoir, ou bien défendre leur groupe, ou bien répandre des amalgames, ou bien des confusions sur la foi. C'est les gens du trouble. Wal-ahwa. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, est-ce qu'ils cherchaient la fitna ou ils cherchaient la paix? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte de Hudaybiyah avec les Quraysh, kuffar mushrikin? Pourquoi? Parce que le meilleur ou la meilleure situation pour pouvoir appeler les gens à Allah, c'est la paix. On a besoin de la paix, même si parfois il faut sacrifier de certaines choses. La paix, c'est essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a sacrifié combien de choses pour avoir cette paix-là? Ils ont enlevé bismillahirrahmanirrahim. Ils ont enlevé min Muhammad rasoulillah. Ils n'ont pas accepté certaines conditions. Ils ont dit, si des gens de Médine vous quittent et viennent, on ne vous les rend pas. Mais si des gens de la Mecque entrent en islam, ils viennent chez vous, vous êtes obligés de nous les rendre. C'était injuste, c'était un pacte injuste. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté. Allah ta'ala a appelé ce pacte-là, on t'a donné la grande victoire. Allah, aux yeux des gens, c'était une défaite. Les sahaba, ils étaient déçus. Ils étaient allés pour aller faire la Umrah, on leur a empêché de faire la Umrah. Ils ne voulaient même pas repartir, ils étaient trop énervés. Mais c'était pour qu'Allah il décrète une chose qui était déjà destinée, subhanahu wa ta'ala. Il y avait besoin de ce temps-là pour, alhamdulillah, faire la da'wah, que les peuples entrent en islam, que les musulmans se renforcent. Les musulmans ne doivent pas être en guerre perpétuelle. Quand ils sont faibles, ils restent en paix jusqu'à qu'ils se renforcent, barakallahu fikum. Mais combien de gens ici aujourd'hui ne comprennent pas cela? Allah Ta'ala, parmi les meilleurs bienfaits qu'il a rappelés au Quraysh, c'est la sécurité. Combien il y a de bienfaits qu'Allah peut nous rappeler? Mais il a choisi ici la sécurité, pour montrer l'importance de la sécurité. Parfois, tu peux même être sous un gouverneur kafir, mais tu es en sécurité pour transmettre ta religion, pratiquer ta religion. Est-ce que vaut mieux détruire tout ça et être dans le sang et que les musulmans ils aient tous peur, ou rester dans cette sécurité? Le temps que les musulmans ils aient la force de faire ce qu'Allah leur demande au moment voulu. Ça, c'est parce que les gens ils ne comprennent pas la religion et qu'ils veulent suivre un autre chemin que le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que quand les savants mettent en garde contre certaines personnes sectaires, la mise en garde, ce n'est pas seulement quand quelqu'un diverge avec nous dans la croyance. Et certains points, même qui sont parmi des choses du fiqh, ils font partie de la croyance. La manière de se comporter avec nos dirigeants, la manière de se comporter dans les fitanes, etc. Ça a un lien avec la croyance. Même si on ne comprend pas, ça ne fait pas partie de l'aqidah comme on l'étudie, comme ça on va dire en bloc, c'est-à-dire la croyance entre nous et Allah et dans les choses de l'invisible. Mais ça fait partie de la croyance des gens de la sunna wal jama'a. Les savants les ont cités dans les points de la sunna. Donc des gens qui divergent du chemin des gens de la sunna dans la croyance, dans la manière d'appeler à Allah, ou bien dans la manière de changer les choses, ou dans la manière de se comporter avec les égarés, ou dans la manière de se comporter avec les gouverneurs, ou dans la manière de se comporter entre nous, s'il dévie en cela du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du chemin des salafs, du chemin des compagnons et des pieux prédécesseurs, ils méritent d'être appelés des innovateurs. Car ils ont innové et ils ont choisi un autre chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a tracé pour pratiquer ces choses-là qui font partie des choses de la religion. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné même comment aller dormir, comment aller aux toilettes, il ne nous a pas enseigné comment se comporter dans les époques de troubles, comment se comporter avec des gouverneurs justes ou injustes ou mécréants ou musulmans, il ne nous a pas enseigné tout ça, alors que c'est des choses qu'on va avoir besoin de dans toute notre vie? Bien sûr que l'islam a enseigné tout cela. Tout est clair. C'est clair et net. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur un chemin droit, clair, ne sans détourne que quelqu'un qui est voué à sa perte. Salaf, rahimahumullah, il disait, quand un trouble vient, les savants reconnaissent cette fitna.
Mais quand elle part, tout le monde la reconnaît. Une fois qu'elle est passée, même les juhal, ils reconnaissent le mal de ce trouble-là. Donc les ulama, ils voient les fitna arriver, même quand nous, on les voit pas. Alors, ils nous mettent en garde de pas tomber dans l'erreur, dans la manière de se comporter quand une fitna arrive ou quand une chose trouble arrive. La sécurité et le fait de pouvoir manger à sa faim, c'est quelque chose d'essentiel parmi les choses de dunya, bien sûr. Pour que le dîn soit établi, ces deux choses-là sont essentielles. Quand les gens ont peur pour leur vie, n'ont même pas de quoi manger, ils réfléchissent comment ils vont manger. Regardez ce qu'il se passe. Regardez les pays très pauvres. Est-ce qu'ils ne sont pas prêts à vendre leur religion pour quelques dirhams? Ou pour quelques dinars? Oui ou non? Oui. Combien sont prêts à changer de nom, changer de religion, à faire des sacrifices de leur vie, à prendre des risques incroyables, juste pour pouvoir se retrouver dans un endroit où ils pourront manger à leur faim et envoyer de l'argent à leur famille. Dans les pays où la guerre sévit, est-ce que les gens sont en sécurité pour aller apprendre leur religion? Le seul souci qu'il a, c'est comment il va préserver sa personne et sa famille. Et c'est dans ces pays-là où la guerre civile a duré des années que l'ignorance s'est répandue en masse et que les sectes égarées, elles ont fleuri, comme au Liban. Comme il y a eu des années de guerre civile, la secte égarée des Ahbash, qui ici se prénomme APBIF, ne vous faites pas tromper, soi-disant association de paix ou je sais pas quoi, de bienfaisance, bienfaisance envers Shaitan, pas bienfaisance envers l'islam, non, qui sont en train de vendre leur calendrier dans tous les supermarchés. Attention à ces gens-là. Ils cherchent les endroits où les gens sont ignorants. Après des années de guerre civile ont sévi au Liban, les gens ils n'ont pas pu apprendre leur religion, enseigner leur religion, ils étaient occupés à préserver leur vie, à se battre, à tirer, à se préserver. Alors, dans cette ignorance-là, ils ont trouvé un terrain fertile pour répandre leurs égarements dans la croyance et leurs égarements dans la pratique. C'est aussi là-bas que les chiites du Hizb al-Lat, ils se sont répandus. Du parti de Lat, et non pas du parti d'Allah. Lat et l'Uzza, les deux statues. Naam. Donc, regardez les méfaits quand il y a la guerre dans un endroit. L'Irak, est-ce que vous croyez maintenant que les gens ils sont en train d'apprendre leur religion? Ou que ça fait combien d'années et des années que les gens cherchent juste à se préserver. Alors qu'en Irak, qu'est-ce qui se passe? Les Rafida, les chiites, ils sont en train d'essayer de faire un nettoyage ethnique des musulmans. Partout, ils rentrent dans les villages où ils trouvent quelqu'un qui s'appelle Aïcha ou Omar ou Abu Bakr, ils les tuent. Enfants, femmes, mari, qui que ce soit. Pourquoi cela? Parce que la guerre, elle s'est répandue et la sécurité, elle a été perdue. Donc la sécurité, barakallahu fikoum, c'est essentiel. Il faut tout faire pour la préserver. Un musulman, il fait tout pour préserver la sécurité. Et c'est pour ça qu'en plus du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de sortir, de combattre pour prendre la place d'un gouverneur ou bien pour le renverser, barakallahu fikoum, sauf si il fait une mécréance évidente sur laquelle on a une preuve évidente, claire comme le soleil, il n'y a pas de doute. Et la capacité de le renverser, et que l'intérêt, après l'avoir renversé, il va être mieux. Il y aura plus d'intérêt que de méfaits pour la Ummah. Aujourd'hui, qui regarde ces conditions-là? Les gens, leur chouyour, c'est pas les ulama. C'est Facebook et Twitter, ou bien Google. Toutes les révolutions, elles ont été dirigées par quoi? Avec Facebook et Twitter. Naam. Fabarakallahu fikoum. Tout le monde a gagné à la sécurité. Aussi, même pour nous, les minorités qui sommes dans des pays de mécréants. C'est nécessaire qu'on reste en sécurité et que l'ambiance de sécurité soit présente. Parce que si, par exemple, il y a des attaques envers les musulmans et que nous, on réagit d'une manière violente aussi et que l'insécurité s'installe, ça y est, on ne pourra plus faire ce qu'on fait maintenant. On ne pourra plus s'asseoir donner des cours. Nos femmes ne pourront plus marcher dans la rue, faire leurs courses. Alors, on va être dans l'insécurité. Le peu qu'on arrive à faire, on n'arrivera plus à le faire. Donc, nous, c'est dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'islam, de toujours faire en sorte de préserver la sécurité. Barakallahu fikoum. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah cite bien cela, qu'il y a eu des étapes dans la manière où les musulmans se comportaient avec les mécréants. Plusieurs étapes. Et que ces étapes, elles ne sont pas mansoukha, elles ne sont pas abrogées. Chaque musulman, selon la situation dans laquelle les musulmans seront à chaque époque ou dans l'endroit où ils sont, ils se comporteront selon l'étape qui est la plus proche de leur situation. S'ils sont dans une situation qui est proche de l'étape des musulmans à la Mecque, ils se comporteront comme les musulmans se comportaient à la Mecque. S'ils sont, leur situation est plus proche de l'étape où les musulmans étaient au début de Médine, quand ils faisaient que se défendre et ils n'attaquaient pas, etc., ils se comporteront comme ça. Quand ils seront forts et ils auront les moyens, ils iront, alors ils se comporteront comme ça. Maintenant,
Il faut, barakallahu fikum, comprendre cela. Non. Aussi dans cette surah, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Certains ulama voient qu'il ne faut pas faire la liaison entre les deux versets. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Non. On peut comprendre, si on fait la liaison entre les deux, que c'est la maison sacrée qui les nourrit, et non pas Allah. واضح. On peut mal comprendre. Celui qui entend cette lecture, il peut croire que c'est la maison qui nourrit et qui les a mis en sécurité. Donc, de s'arrêter après « فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ». La sécurité dont Allah subhanahu wa ta'ala a cité les bienfaits au Quraysh, ce n'est pas le seul bienfait qu'Allah ta'ala a donné au Quraysh. Dans le hadith sahih que l'imam al-Albani rahimahullah a dit qu'il était acceptable dans sahih al-Jami'a, Umm Hani bint Abi Talib a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a préféré Quraysh sur les autres par sept caractéristiques spécifiques à eux ou par sept bienfaits dont personne n'a eu le droit avant eux et dont personne n'aura cette faveur après eux. Donc subhanallah, comment Allah ta'ala il a préféré Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a préféré Quraysh car je fais partie d'eux. Ça c'est la première. Deuxièmement, car la prophétie est chez eux. C'est-à-dire que la prophétie, elle a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anna al-hijaba tafihim. Al-hijaba, la robe de la Kaaba. Le fait d'habiller la Kaaba. C'est de Quraysh, c'est eux qui ont cet honneur-là. Et ils ont l'honneur d'abreuver les pèlerins. Et Allah leur a donné la victoire sur l'éléphant. Et ils ont adoré Allah 10 ans, alors que personne d'autre à ce moment-là l'adorait. Et Allah ta'ala a révélé une sourate du Coran, surat Quraysh, où ils sont énoncés et il n'y a personne d'autre à part eux qui sont énoncés dans cette surah. Allah tabaraka wa ta'ala, donc quand il leur a dit qu'il les a nourris contre la faim, il les a rassurés contre la crainte. L'endroit qui est le plus en sécurité dans le monde, c'est la Mecque. Allah ta'ala l'a appelé Baladan Aminan, un pays ou une ville sécurisée, où on est en sécurité. Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des règles spécifiques à la Mecque. Médine aussi, elle est sacrée, mais à un moindre degré par rapport à la Mecque. Il y a des règles spécifiques à la Mecque qui ne sont nulle part d'autre dans le monde. On n'a pas le droit de couper les branches. On n'a pas le droit d'arracher l'herbe. On ne ramasse pas ce qu'on trouve par terre. On ne se venge pas de quelqu'un à la Mecque. Dans l'époque pré-islamique, hein, on ne parle même pas là. Si quelqu'un est trouvé dans les limites du haram, de la limite sacrée de la Mecque, le tueur de son père, il lui fait rien jusqu'à qu'il sorte des limites sacrées. Celui qui a tué son père, il les trouve dans le haram, il ne le touche pas. Tellement il donnait d'importance à la sacralisation de la Mecque. Dans le Jahiliya, ça. Avant l'islam. Donc pour montrer l'importance, la sacralisation, comment Allah a rendu cet endroit sacré. Tellement il est sacré, tellement il y a la sécurité, même les arbres, même l'herbe est en sécurité. T'as pas le droit de l'arracher, t'as pas le droit de la toucher. Pour vous dire, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cet endroit sacré. On n'a pas le droit d'y faire couler le sang. Non. Même à Médine, il y a certaines règles qui sont proches de cela. Mais s'il y a un besoin, par exemple à Médine, s'il y a un besoin, on peut arracher un arbre. À la Mecque, si tu tues un gibier dans les limites du haram, il y a une expiation de tuer le gibier de la Mecque, du haram. On parle en dehors du fait que tu sois ihram ou non. C'est pas lié au ihram. C'est lié à la Mecque. C'est lié aux limites sacrées de la Mecque. Après, on ne tue pas le gibier aussi quand on est au ihram. Peu importe où on est. Mais là, je vous parle lié aux limites, ça c'est lié aux limites, c'est pas lié à un état de sacralisation. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, est-ce qu'ils ne voient pas qu'on leur a fait pour eux des limites sacrées où ils sont en sécurité, alors que les gens autour d'eux, ils se font arracher, ils se font prendre en dehors de la Mecque. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la Mecque, c'est un endroit de sécurité. Et on sait aussi que à la fin des temps, le Messie Dajjal, il entrera partout sauf où? Sauf à la Mecque et Médine. Il ne peut pas rentrer. Alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala va l'empêcher de cela par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, barakallahu fikum. On voit donc dans cette surah le bienfait de Quraysh, les bienfaits qu'Allah ta'ala leur a donnés, les bienfaits qu'il leur a énoncés, qu'il leur a rappelés. Et parmi ces bienfaits qu'il leur a énoncés et leur a rappelés, c'est le fait qu'il les a nourris contre la faim et les a rassurés de la crainte et les a laissés en sécurité. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب ويرضاه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا